Itché, je t'ai si heureux de la décision que tu as prise au palais aujourd'hui. Je te soutiens de tout cœur. Merci, ouais. merci, Itché Ozongo. Hein? Écoute, je commence à être très méfiant de notre roi, ce soi-disant Ezemu Ozurumba. Vraiment? Oui. Et pourquoi es-tu méfiant? Tu sais, ce que tu ne sais pas. Oui. Nous utilisons l'œil du plus sage pour voir. En profondeur où l'herbe est attachée. Écoute, je commence réellement à comprendre ou à soupçonner que les dieux de ce royaume ne sont plus du tout avec lui. Oui, tu as tout à fait raison. Parce que ce Ezemu que je connais ne nous a jamais ou grand jamais déçus. Oui. Même au temps de nos parents, il oui. nous a jamais déçus. Nous devons nous poser des questions. Les choses deviennent vraiment très inquiétantes. Nous devons lui poser des questions. Oui, et nous devons, hein? Tiendou, tu as raison. Oui. Je te soutiens et nous devons enquêter sur ce sujet. Ça, je te le promets. Oui. Écoute, comme tu l'as dit, Amadoua, ainsi que tous les dieux de ce royaume, hein, n'ont jamais été aussi silencieux à notre situation. Combien de fois nous voir mourir comme des fourmis? Voilà. Ils ne l'ont jamais fait. Tu l'as dit. Itché Ozongo. Ouais. Je suis vraiment rempli d'une grande joie. Ceci grâce à toi. Je suis heureux de constater que, au Mosiaku encore, des hommes honorables comme toi. Tu peux encore le dire. Je suis fier de toi. Tu peux encore le dire. Les dieux de ce royaume te béniront. Et les anciens de ce village, les anciens comme Itché Ozongo et Adindo, sont allés chercher la solution. Ils sont même allés très loin, jusqu'à aller consulter le grand prêtre, Akirika. Hein? Non. Ce qui s'est passé au palais aujourd'hui m'a vraiment perturbé. Non, sérieux, j'étais si choqué. Itché Ozongo. Alors tu as été surpris? Tellement surpris. En fait, je m'attendais même à ce que tu me demandes une cola avant de dire ceci. Cela montre que tu es tellement inquiet. Oui, mais ne sais-tu pas qu'il y a deux bons amis qui me soutiendront toujours? Oui, à coup sûr. Durant l'administration de ce royaume, le roi était si inquiet de notre réaction. Oui, maintenant, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai le pressentiment. Vraiment, j'ai le pressentiment qu'ils travaillent ensemble. Écoute, accepte-le ou pas, ils travaillent ensemble. Ouais, c'est vrai. Itché Ozongo. Ouais, tu as raison. Itché Ozongo, je t'assure que ces gens ont vraiment quelque chose à cacher. Je te crois. Et donc, je dois le découvrir. Je ne peux pas rester sans rien faire. Tu as tout à fait raison. Oui, tu as tout à fait raison. Mais comment allons-nous faire? Par où commencer? Oh, ne t'inquiète pas, j'en suis venu à la conclusion que nous allons chercher ou trouver un autre grand prêtre d'un autre royaume. Oui. Qui nous dira la tu vérité sur ce qui se passe. Au moins pour que nous puissions entendre d'une autre source. Mais bien sûr. Tu as raison. Bien sûr. Itché. Hein? As-tu une autre référence? Tu as besoin de demander. Je t'ai dit de me faire confiance. Avant de commencer ce voyage, j'ai pris le temps de me préparer. J'ai un endroit dans ma tête. Vraiment? Oui, nous devons aller à... Likanafa. Tu connais Likanafa? Je connais Likanafa. Il y a un très grand prêtre là-bas qu'on appelle Akirika. Ouais. Que crois-tu? Et son nom résonne comme la tempête. J'ai entendu parler de ce nom. Il nous dira tout ce que nous voulons. Tous les secrets seront dévoilés. N'aie pas peur. Ezemu et le roi veulent qu'on baisse les bras. Qu'est-ce que tu crois? Ah. Ils ne parviendront pas à ruiner notre royaume tant que je suis en vie. Mensonge. Oh. Je suis Akrika, véritable tradipraticien de l'histoire de ce royaume. Le seul homme qui dort avec les esprits sans leur embrasser les lèvres. Le bois de chauffage noir qui prend feu, même au milieu de l'océan. De la mer. Et celui qui fuit une couronne de serpents saura ce que ça signifie d'être appelé un homme.
Et un enfant choisi par les dieux doit être appelé sage. Oui. Ancien du royaume de Muzayako, les dieux ont entendu vos prières et tout ce qu'ils peuvent dire est que vous retourniez chez vous. Rentrez chez vous. La solution à vos problèmes se trouve dans votre royaume. Oui. Merci, les yeux des dieux. Merci. Comment pouvons-nous trouver la solution? La solution à notre problème au royaume. Comment? Cher ancien du royaume de Muzayako, vous posez beaucoup trop de questions. Oui. La solution à vos problèmes est entre les mains d'un homme appelé Ekwedike, un homme puissant. Et la seule façon de l'avoir est par l'intermédiaire d'un homme appelé Oku, qui vit entre les royaumes d'Amoma et d'Ugwe. Oui. Partez! Merci. Il n'y a personne ici. Du calme, il doit forcément y avoir quelqu'un. Non. Regarde, on peut aller vérifier de l'autre côté, non? Non, je ne pense pas. C'est forcément ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne ici, comme tu peux le voir. Retenons, Chonon. Il n'y a personne. Je sais que là, nous sommes au bon endroit. Ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Soyons prudents. Cher ancien. Oui. Je vous salue. Bon après-midi, monsieur. Oui. Bienvenue, mes enfants. Merci. Merci, papa. J'ai entendu dire que vous cherchez Ekwedike. J'espère que tout va bien. Tout va bien, monsieur. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Comment tu peux dire ça? Écoutez, nous venons en paix. Nous venons en paix. Nous le cherchons. Nous voulons juste lui poser quelques questions. Oui. À propos de la crise de notre royaume. Je comprends votre problème. Je te l'avais bien dit que nous sommes au bon endroit. Mais j'ai peur. Mazi et Kodike n'est plus en vie. Ancien, où est-il, hein? Dites-nous simplement où il se trouve et nous irons le voir. Parce que nous avons un problème entre c'est les mains. Très important. La situation est très c'est critique. C'est vraiment très important, c'est pourquoi monsieur. Nous sommes ici. Je vous en prie. Le grand Mazi Ekwedike ne mène pas une vie de mortel. Papa, nous n'arrivons pas à comprendre concrètement ce que vous dites. Pouvez-vous être un peu plus clair? Hein? S'il vous plaît. Il ne vit plus à parmi nous. Il ne vit pas avec les mortels. Mais, cher ancien, est-il un esprit que personne ne peut le voir? Hein? Il n'est pas un esprit. Nous ne vous comprenons pas. On ne vous comprend vraiment pas du tout. Il ne vit plus parmi nous. D'accord, mais ça veut dire... Vous voulez dire qu'il vit dans la forêt maléfique ou quoi? Exactement, mon enfant. Mazi Ekwedike a été banni il y a longtemps. Oh. Il ne vit plus parmi nous.
Les yeux des dieux. Les yeux des dieux. Pourquoi nous avoir demandé d'aller à la recherche de cet homme? Un homme qui n'est plus en vie. Non! Allô? Abomination! Je vous interdis de parler ainsi. Je ne vous ai jamais demandé de le chercher. Igosir! Et les dieux ne vous ont jamais demandé de chercher qui est mort et poser des questions. Mais l'homme... L'homme en question vit au pays des morts. Comment aurait-il pu survivre? Hein? Comment? L'esprit. C'est pourquoi vous, humains, vous ne comprenez rien. La forêt maléfique ne peut être mauvaise que quand les dieux ne sont pas avec vous. Oui. Mais les yeux des dieux, même si le monsieur est vivant, comment devons-nous aller dans la forêt maléfique pour le chercher? Ce n'est pas risqué. C'est très très risqué. Oui. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tant que les dieux sont avec vous, vous pouvez vous en aller! Allez, Amadoua! J'ai trouvé une solution à la situation d'Omosileako. Oui, ma fille. Bigwe, pourquoi n'es-tu pas ici avec eux? Ne leur as-tu pas signifié l'urgence de cette rencontre? Bigwe, je suis désolé. Mais aucun d'entre eux n'est chez soi. Et où leurs femmes ont-elles dit qu'ils sont allés? Tout ce qu'elles ont pu dire, c'est qu'ils sont allés à une réunion Igwe. C'est compris. Tu peux disposer. Quelle insulte, Igwe! Quelle insulte pour nous, Igwe! Votre Altesse, elles disent qu'ils sont allés à une autre réunion. Pourtant, elles connaissent l'importance de la réunion d'aujourd'hui. À quel point la réunion d'aujourd'hui est cruciale? Pourquoi tu refusais d'y assister? Hein? Ces dieux-là s'intéressent. Ils s'intéressent à autre chose dans ce village. Nous devons les sonder. Ce n'est pas grave. Je n'aurai pas à les gérer. Je leur enverrai un message pour qu'ils se présentent au palais aussitôt qu'ils seront de retour. Ils me doivent des explications. Pourquoi devraient-ils être absents? Oui. À une réunion. Dans ce palais, à ce moment critique. Ils doivent s'expliquer. Mon roi, ils doivent s'expliquer. Igwe, vous avez tout mon soutien. Vous avez tout mon soutien dans cette situation. Ichi, je sais que tu as bien agi. Ichi Adjendo. Je t'écoute très bien. Je t'écoute. Je suis tout oui. J'ai vraiment très peur. Je ne pense pas que je reviendrai de ce voyage. Parce que c'est très risqué. Vraiment risqué. Allez, allez, Ichi Ozondo, qu'est-ce que tu as? Hein? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur. Et ce voyage, on ne peut plus l'abandonner maintenant. Hein? C'est une tâche que nous devons accomplir. Écoute-moi très bien. Nous ne faisons pas tout ceci pour autre chose, mais pour notre royaume. Je t'en prie. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ces tâches nous incombent et nous devons l'accomplir. Rappelle-toi des paroles des émois Kilika. Il nous a rassuré que les dieux de ce village sont avec nous, qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous guident. Alors il n'y a absolument rien à craindre. Tu me comprends? D'accord. Voilà. D'accord. Sois un homme vaillant et courageux. D'accord, j'ai compris. Qu'en est-il du roi et les anciens? Parce qu'ils ont l'air tellement suspects. Hein? J'espère que nous ne nous ferons pas du mal après notre retour de notre mission. Parce qu'ils m'ont l'air très suspects. Ça ira. Les as vus de tes propres yeux, tu sais de quoi je parle. Ichi Ozondo, écoute. Le pire ennemi de l'homme est la peur. C'est le pire ennemi. N'ai aucune raison d'avoir peur de tous ces gens. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne le découvriront pour aucune raison. Ce que nous pouvons faire
c'est de très bien garder tout ceci pour nous seuls. Mais nos femmes ne devront avoir aucun soupçon par rapport à ça. Hein? Bien sûr. Itiadindu. Elles ne doivent pas le savoir. Adindu, Itiadindu. Oh. Itiadindu, je dis la Attends, vérité. Attends, es-tu sérieux quand tu dis qu'on ne doit pas le dire à nos femmes? Et si quelque chose nous arrivait dans cette forêt? C'est pas vrai. Comment pourrait-elle nous dire oh à mon tout Dieu. Le monde que... Qu'est-ce que tu as? Oh. Tu ferais mieux de raisonner comme un homme. Alors si je te laisse faire, tu mettras ta femme au courant. Ce serait simplement nous livrer à elle. Et tu penses qu'elle gardera ça pour elle? Elle nous exposera. Aussi simple que ça. Écoute, ne le dis absolument à personne, encore moins à ta femme. Nous ne savons pas qui elles sont. D'accord, je le fais simplement à cause de notre royaume. Voilà. Parce que je veux que notre royaume soit sauvé. Maintenant, tu en viens. C'est la raison pour laquelle je C'est pense... C'est pas vrai, que... tu es un homme. Tu agis comme un homme. Alors merci beaucoup, hein. Merci. Merci, je vais prier pour qu'Amadoua te bénisse. Il nous bénira. Oui, il nous bénira. Ici. Mon roi. J'ai un pressentiment. Que Itié, Adindu et le Itié Zondu complotent quelque chose. Vraiment? Pourquoi est-ce que tu le dis? J'ai constaté que les deux ne viennent plus à nos réunions. Si Itié Adindu n'est pas là, Itié Zondu n'est pas là non plus. Ce qui me laisse croire que tous les deux fomentent quelque chose. Itié Wazirik, tu as raison. J'ai constaté que les deux... Laisse-moi te demander. As-tu une idée de ce qu'ils font? Igwe, j'avoue que je n'ai aucune idée. Mais je suggère que nous restions vigilants face à eux. Si possible, envoyer un espion surveiller leurs mouvements. Nous devons contrôler leurs mouvements. Oui. Ça semble être une très bonne idée. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, mon roi. Une bonne idée. Ça prouve que tu m'es toujours... Toujours... Oh, mon roi, merci beaucoup. Je dois te récompenser. Pour ça. Merci, mon roi. Dieu te bénit pour ton intervention. Tu peux y aller. Je te ferai plus tard. Merci, mon roi. Je t'en prie. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, il est mort. Mon frère est mort. Ah hey. Mais que se passe-t-il dans ce village? Allons voir. Allons voir. Et allons-y. Itiadindu, hein? Ne vois-tu donc pas qu'il fait sombre? Regarde, il fait sombre. Il fait tellement sombre partout. Oui. Je sais. Il fait sombre. Mais nous devons chercher où nous reposer. Alors, n'aie aucune crainte, d'accord? Mais ne penses-tu pas que c'est dangereux pour nous? Les dieux de cette forêt peuvent prendre nos vies. C'est ça que j'ai peur. Pourquoi dis-tu de telles choses? Arrête de dire ça. Aucun de nous ne va mourir. Oui, aucun de nous ne va mourir. Nous n'allons pas mourir. C'est pas vrai. Ne sais-tu pas que les yeux de nos ancêtres nous protègent? Amadoua est avec nous. Mais tout de même, nous sommes dans une forêt magnifique. Cet endroit est très dangereux. Hein? Il s'agit de nos vies, là. C'est ce que je suis en train de dire. De quoi est-ce que tu parles? Hein? Ezimou Akirika a dit que les yeux de nos ancêtres sont avec nous. Ne sais-tu pas que Amadoua est avec nous? Rien ne nous arrivera.
Ichi Ozondo, nous pouvons nous reposer ici jusqu'à demain matin. Hey, tu ne sais pas qu'il fait déjà jour. Debout. Alors, on a réussi, hein? On a réussi à le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Tu sais qu'il y a des fois où tu m'étonnes. Alors, tu pensais que nous allons mourir dans cette forêt. Attends, hein? Qu'espérais-tu que je pense? Hein? Ne sais-tu pas que personne n'est venu dans cette forêt et est retourné vivant? Même autant de nos parents. Non, écoute-toi. Je suis content, on a réussi. Mais tu as oublié que... Akrika, Ezemo a dit que les dieux de nos ancêtres et même le Ramatois sont là et ils nous protègent. Et je sais qu'ils sont là et ils nous protègent. Tu as toujours peur de la mort. Allons-y. Je suis allons-y. Juste étonné. Allons-y. Merci, Yamajora. Allons-y. Ah. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un ici, que la personne réponde, car nous voulons voir un homme au nom des Kouedike. S'il vous plaît. S'il vous plaît, répondez-nous. Ne te donne pas autant de peine. Allez, allons-nous-en. Pourquoi est-ce que vous me cherchez? Qu'est-ce que vous me voulez? Ichi et Kouedike. Nous ne pouvions plus supporter de voir plus de morts dans notre royaume. Nous avons peur que tout le royaume soit effacé si rien n'est fait comme il le faut très rapidement. Alors nous cherchons une solution. Oui. Et nous sommes venus vous voir. S'il vous plaît, Kouedike. Et pitié, sauvez notre village, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé de vous décevoir, ancien du royaume de Moussiako. Je ne peux pas vous aider. Votre demande ne peut être accordée. Hey. Allez-vous arrêter ça? Que faites-vous? J'ai reçu l'ordre d'Igwe de vous dire d'évacuer cet endroit immédiatement. Pourquoi? C'est le terrain de notre père! Écoute-moi, je m'en fiche de qui c'est. C'est maintenant la propriété d'Igwe. Impossible! Allez dire à votre Igwe qu'il a échoué sur celui-ci. Que mon frère et moi ne sommes pas prêts à céder. Vas-tu la fermer? Ferme-la! Je parlerai de votre conduite. Nous allons parler de votre conduite au roi. Alors soyez prêts à subir les conséquences. Oui. Je n'ai pas peur de toi et de ton roi. Ferme-la! La bouche, j'ai dit, la ferme! Comme l'a dit ma sœur, nous n'avons ni peur de vous, ni de votre roi. Ferme-la! Non! Dégagez de ce terrain, dégagez! Ferme-la! Allez-vous-en! Allons-y. N'importe quoi, peux-tu croire? Ce méchant veut prendre la seule chose que notre père nous a laissée. Une bande d'idiots! C'est impossible! Vous pensez que j'ai peur de vous? Ça n'arrivera pas, Lai Lai! Pas tant que je suis en vie, ça n'arrivera pas. Revenez, homme de Moussiako. Allons-y, allez, allons-y. Homme de Moussiako, vous pouvez vous asseoir. Personne n'a jamais songé me rencontrer dans cette forêt maléfique, excepté vous deux. Et ce qui veut dire que les dieux sont avec vous. Et il est clair pour moi que vos mains sont propres. Parce que Amadoua vous protège tous les deux. Et sinon... Soyez la bienvenue. Oh, toi!
Et Zemo, dis-nous. Dis-nous ce que tu vois. Les guerriers sont-ils encore en vie? Mon roi. La bataille est très tendue. Mais vraiment très tendue. Mais pas besoin de paniquer. Pas besoin de paniquer. Car ce que je vois, nos hommes sont plus forts que les leurs. Nos hommes sont plus forts que les leurs. Oui. Car nos hommes ont été bien préparés. Si puissamment préparés pour la guerre. Et je peux vous promettre, je peux vous garantir que la victoire est assurée. Oh, tu vois? Ah! Odogumwa! Amadjoha, là encore fait. Oui, il sait. Il a encore véritablement fait. Vous voyez? Une fois de plus, Amadjoha a prouvé qu'il est un vrai dieu. Hein? Qu'il soit loué. Pour toujours. Mon peuple. Il y a plus de royaumes comme le nôtre qui aimeraient sortir glorieux dans une guerre avec le Tout-Puissant. Hein? Une fois de plus, Amadjoha a prouvé qu'il est avec nous. Hein? À lui l'honneur. Je n'oublierai jamais. Et je ne serai pas ingrat en essayant d'oublier le messager de Dieu qui est ici. Qui a lutté spirituellement pour nous rassurer que nous gagnons cette guerre, hein? Ton nom restera gravé dans ce royaume. Ici. Hein? Je vais aussi te récompenser en te donnant cette terre près de la rivière. Hein? Igwe. Encore nous. Igwe. Et c'est moi, notre roi tient toujours à ses promesses. Mon peuple. Odogu. Odogu. Mon roi. Merci beaucoup, mon roi. Je suis si content. Vous êtes vraiment un vrai roi. Que votre règne dure à jamais. Ici. Que Amadjoha soit loué à jamais. Ici. Je n'oublierai pas également de remercier Rubakwe, notre chef guerrier, qui a conduit ses hommes au front et s'est rassuré qu'il rentre victorieux. Hein? Merci. Et qu'Amadjoha te bénisse. Ici. Igwe, ah, c'est mon fils. C'est vrai ça? Oui, exactement. Tu sais, tu es un bon guerrier, hein? Et Amadjoha continuera de te bénir. Merci. Ici. Odogu Bakwe. Nous avons vraiment une très bonne armée. Hein? Ici, Inuka. Je t'avais pourtant dit qu'Igwe est devenu une autre chose dans ce royaume. Tu n'as pas voulu me croire. Il a maintenant honoré Zemo à la place de ton fils. Bakwe. Ouais, tu as raison. Papa, je ne tolère pas. Je ne vais pas tolérer ça. En tant que le chef guerrier de cette bataille, je me suis rassuré que nous rentrions victorieux. Où était Zemo? Dites-moi où était Zemo. Et pourquoi veut-il prendre ce qui est à moi? Pourquoi? Pourquoi, papa? Ne t'inquiète pas, mon fils. Ne t'inquiète pas. Tu sais quoi? Je ne pense pas que le roi ait fait ça seul. Si c'était effectivement le cas, il n'aurait vraiment pas agi de la sorte. Ben, papa, écoute, tu dois faire quelque chose. Sinon, je le ferai moi-même. Oui, je vais éliminer chacun d'entre eux. Je vais tous les éliminer. Ne t'inquiète pas, mon fils, j'ai compris. Koi, en quoi? En quoi? Allez, je sais que c'est un homme ou en quoi? Ouais, quoi, là, quoi, quoi, là, quoi, là, quoi, là, quoi, là, quoi, là,
Tout ira bien pour nous. Ise. Que Amadura apporte de bonnes choses pour tout le royaume de Musiyaku. Ise. Je te salue. Aisez-moi. Je te salue, mon cher ami. Comment se porte ta famille et toi? Nous allons bien. Ravi de l'entendre. J'espère que tout va bien. Ouais, tout va bien. D'accord, viens. Permets que je finisse... Oh, ne vous en faites pas, c'est d'accord. Tu es sûr que tout va bien? Ouais, tout va bien, sûr, hein? Tout va bien. La raison de ma visite est que je suis venu te féliciter pour la bataille victorieuse que nos guerriers ont remportée grâce à toi. Aisez-moi. En fait, qui aurait cru qu'on gagnerait une telle bataille? Eh bien, c'est en effet une grande joie. Une grande nouvelle, un grand record en fait. Dans l'histoire de Musiyaku. Une première de gagner une guerre. Mais j'aimerais que tu saches quelque chose. Toute gloire et toute chose reviennent à Amadoua et non à moi. Je ne suis qu'un serviteur. Oui, oui. Gloire à Amadoua. Et puisse-t-il continuer à te bénir et de te protéger. Et toi également. Qu'Amadoua continue de te bénir et de te protéger tout le temps. Ici. Merci beaucoup. Merci. Merci, tu vivras dans le bonheur. Tu vas te taire! Les dieux seront toujours avec toi. Avancez! Ichiyo Sando, que se passe-t-il? Et quel est le crime qu'elles ont commis? Ces jeunes filles portent des grossesses non désirées. Hey! Ce qui est une abomination dans notre royaume. Elles sont là pour se confesser. Alors parlez maintenant et dites-nous qui sont les responsables. Parlez. Mais parlez. C'est moi. Hey! Et toi? Parle. C'est Ichiyo Kotike. Hey! Moi? Et Kwesike? Abomination. Arrêtez-les. Non, attendez. C'est une blague ou quoi? Oui. Tu sauras quand on ira au palais. Arrêtons-les! Stop! Vous voulez nous amener au palais comme de vulgaires criminels? Nous irons là-bas, de notre propre volonté. D'accord. Allô, c'est comme vous voulez. Debout. Debout. Avancez. Je voudrais qu'on revoie le problème des taxes sur le marché. Nos commerçants se plaignent. Allez, à genoux. Je vous salue. Je suis choqué que mon ami Udoka soit impliqué dans une telle abomination avec Izumo. Hein?
Et tu as été mon conseiller. Et tu connais ma position dans une telle chose. Je ne peux pas être impartial quant au jugement sur une telle chose. Igwe, comment pouvez-vous croire que j'ai fait une chose pareille? Vous me connaissez plus que tout le monde ici. Et vous devriez savoir que Ezemo n'est pas capable de faire une telle chose. Mais il n'y a aucune preuve qui montre que vous n'êtes pas coupable. Vous êtes coupable parce que je vois ces filles qui sont ensemble et qui disent l'être de toi et tes émois. Alors, j'ai une devise dans mon jugement qui est que vous êtes banni de ce royaume pour la forêt maléfique. Toi, ainsi que ta famille. Oui, vous avez parlé. Mon roi, c'est injuste, justifié sous vos yeux de porter un tel jugement sans une enquête approfondie. Qu'il en soit ainsi. Mais je préviens, mon roi. Quiconque conspire contre mon ami et moi, la poursuite à ce trône sera pire. Que veux-tu dire, Ezemo? Une chose similaire vous arrivera. Vous le saurez le moment venu. Un mot... Tu oses me menacer? Un seul mot suffit pour un homme sage. Nduka. Un mot suffit pour un homme sage. Garde! Emmenez-les et bannissez-les ainsi que leur famille dans la forêt maléfique. Avancez maintenant! Igwe, nous sommes vos conseillers. Igwe, je vous en prie. Une telle Igwe. Chose! Igwe, je vous en prie. Ne faites pas ça, je vous en prie. Ne me touche pas! Hey. Que personne d'entre vous n'ose poser ses sales mains sur moi. Essayez de me toucher, vous ferez. Non, ne me touchez pas. Ne me touche pas. Ils doivent payer pour le crime. Sage décision. Ce n'est pas possible dans ce royaume. Vous avez bien agi. Vous avez fait un travail merveilleux. Vous voyez, vous m'avez rendu un fier service. Rien n'arrivera. Je le promets. Vous pouvez venir chez moi ce soir pour récupérer vos jambes. Aucun problème. Allez, à ce soir. À ce soir. Il est temps que je parte en voyage. Mais j'ignore quand je reviendrai. Je pars avec ma fille. Mais j'ignore quand on reviendra. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Pourquoi? Et où est-ce que tu veux aller? Ma femme est partie depuis longtemps. Il n'y a pas de vie pour moi ici. Je dois faire ce qui doit être fait. Aisez-moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Aisez-moi. S'il te plaît, explique-moi. Que veux-tu dire par là? Je veux entreprendre un voyage dans la partie profonde de cette forêt. Un voyage? Oui. Et je pars avec ma fille, la princesse. Je vais la préparer pour l'avenir. Aisez-moi. Ne va surtout pas dans la partie profonde de cette forêt. Ezemo, tu sais qu'elle est maléfique. C'est très dangereux. Je t'en prie, Ezemo, n'y va pas.
La volonté d'Amadoua doit être faite. La volonté d'Amadoua doit être faite. Je dois partir. Je dois partir. Et ne me cherche pas. Ne le fais pas. Car je ne sais pas combien de temps je vais y rester. Je ne sais même pas si je vais y survivre. Mais une chose est certaine, tu peux te rassurer que ma fille, la princesse, survivra pour montrer au peuple de Moussiakou la vraie direction. Aisez-moi. Aisez-moi. Je t'en prie, ne... Hey. Aisez-moi. Hein? Hey. Demianena, quoi. C'était la dernière fois que j'avais vu mon amie Azuzo, la prêtresse. Hein? S'il te plaît, Nai, se pourrait-il, serait-il possible qu'il soit encore en vie? Ezemo pourrait être mort, mais parfois, je vois une fumée blanche. À chaque marché des quais, qui sort au cœur de la forêt. C'est peut-être elle, la prêtresse. Hein? Hé! Hey. Nai, j'espère que c'est pas pour qu'on aille dans cette forêt profonde. Hé! Hey. Mais bien sûr! Pourquoi dis-tu tout ça? Nai, je t'en prie, pardonne-lui, s'il te plaît, Nai. Comment pouvons-nous procéder dans cette situation, sans parler du voyage? Personne ne peut t'en vouloir. Il est toujours effrayé. Oui, pourquoi pas? Comment quelqu'un peut-il avoir aussi peur? J'ai pas peur, moi. Eh bien, parce que... J'ai peur. Dans la première partie de cette forêt, c'est là que vivent les morts. Voilà. Hein? Ok, d'accord. Le fait est que s'il arrive que quelqu'un meure pour son village, est-ce une mauvaise chose? Si nous mourons pour notre royaume, est-ce mauvais? Et si notre royaume meurt, à cause de moi, c'est pas mal. Non, voyez-vous, nous faisons juste la même chose. Aucun homme n'est inutile. Nous devons nous serrer les coudes. Aussi longtemps qu'Amadoua est avec nous. Bien sûr, et puis Amadoua a toujours été avec nous. Mais c'est oui. C'est Amadoua qui vous a amené jusqu'ici. Qu'il vous guide et vous ramène vivant. Ici. Vous irez et vous reviendrez parce qu'Amadoua est avec vous. Ici. Parce que le chef des prêtres n'a pas répondu à leur situation. Pourquoi, papa? Parce que c'est le souhait des dieux. Avançons, on y va. Mais avançons. Que faites-vous sur le sol? Des immortels. Que faites-vous ici? Nous venons en paix. Nous recherchons notre fille, la prêtresse du royaume de Moussiakou. S'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. Nous la recherchons, nous voulons la voir, s'il vous plaît. Votre demande ne peut être accordée. Parce que la prêtresse est en colère contre vous et a refusé de se montrer. Dites-nous alors, s'il vous plaît. Quel sacrifice vouliez-vous qu'on fasse? S'il vous plaît. N'importe quel sacrifice, on le fera, s'il vous plaît. Peu importe le genre de sacrifice. Elle n'acceptera aucun sacrifice qui vient de vous. Parce qu'il n'y a aucun lien entre vous et elle. Allez, homme de Moussiakou, votre présence n'est pas acceptée ici. Elle a tous les droits de réagir ainsi, à cause de ce qu'a fait notre peuple, à elle et à sa famille. Vas-y, je t'écoute. Dis-nous ce que nous pouvons faire. Dis-le-nous. Parce que si nous avions la réponse, nous ne
nous ne serions pas venus vers toi. Dis-nous, comment est-ce que nous pouvons... Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'elle nous pardonne? C'est pourquoi nous sommes ici. Oui, c'est évident, parce qu'elle veut un sacrifice. Bien sûr. Qu'attend-elle de nous, s'il vous plaît? Hein? Oh, j'en ai peur. Je ne suis pas en mesure de répondre à ça. Mazie Kouzike, en fait, on a une idée. Je suggère que tu ailles avec nous. Je t'en prie. Viens avec nous. Viens avec nous. Au moins, quand on y sera, tu lui parleras toi-même. En notre nom, c'est ce que nous voulons. S'il te plaît. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'elle m'écoutera? Mais pourquoi pas? Elle t'écoutera. Tu es le seul homme bien qu'elle connaisse. Oui, c'est vrai. Dans toute la communauté du royaume de Moussiako. Mazie Kouidike, tu es notre seul espoir. C'est vrai? Oui. Oui. D'accord. D'accord. Chère prêtresse, moi, Kouidike, je suis venu te supplier. Je suis venu te supplier. Amama Taho, la solution à nos problèmes. Anaou Tutu, l'ami de ton père est venu pour te supplier de nous sauver de cette calamité. Je vous salue. Nous vous saluons, prêtresse. Je sais pourquoi vous êtes ici. Mais je vais vous dire quelque chose. Votre solution est entre les mains d'un homme appelé Oguaku et sa femme, Urema. Il vit dans le royaume d'Ouelem. Trouvez-le et il vous donnera la solution à tous vos problèmes. Nous vous remercions, grande prêtresse. Merci à vous, prêtresse. Vous pouvez partir. Nous avons parcouru tout le long chemin. Depuis le royaume de Moma, sur les instructions de la prêtresse, elle a dit que vous êtes l'homme. L'homme qui nous donnera. L'homme qui apportera des solutions. Vous savez, des solutions dans notre royaume. Oui. Homme de Moziako. Je ne comprends pas vraiment ce que vous dites. Et si je peux me permettre, qu'est-ce qui s'est perdu et qui pourrait restaurer votre royaume si on le retrouvait? Eh bien, il y a quelques années, nous avons perdu notre prince, notre cher prince. Vous voyez, les rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles il aurait été dévoré par des animaux sauvages. Mais en fait, jusqu'à présent, nous n'y croyons pas. Nous n'y avons jamais cru, et nous n'y croirons jamais. Quel était son nom et quel âge avait-il? Il s'appelait Afamifuna. Oui. Et il avait environ 15 ans. Non, il avait 12 ans. Ouais. Il avait tout juste 12 ans, en fait. Excusez-moi. Tu vois, je me demande bien ce qui se passe. Oui. J'ai trouvé ceci sur lui. Hein? Vous le reconnaissez? Le bracelet et le vêtement royal.
Ouais. Et, oui. C'est le bracelet. Oui, c'est ça. Et ce sont les vêtements de notre prince. Hé hey, regarde-les. Oh, oui, c'est à lui. Où est-il? Tidoubem. Tidoubem. Papa. Viens. Tidoubem, reconnais-tu l'un de ces hommes? Non, pas du tout. Ces hommes sont du royaume de Mosiaco. Ils prétendent que tu es leur prince, qui s'est perdu il y a quelques années. Papa, je ne suis pas un prince. Tu veux dire que tu ne nous connais pas du tout? Regarde-nous bien. Non. Je ne vous connais pas. Oh. Ne soyez pas en colère contre lui. Il a perdu la mémoire après l'attaque. Alors que faisons-nous maintenant? Parce que nous voulons qu'il rentre chez lui au moins pour sauver le royaume. C'est très urgent. Nous avons besoin de lui. Le royaume va vraiment très mal. Hein? Je suis désolé. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Écoutez-en! Le roi a déclaré que demain ce sera l'intronisation du nouveau prince. Prince Ezona. Oui, l'héritier légal au trône. Et tout le monde doit venir au palais. Demain, une fois de plus, vous allez manger et boire si vous voulez. Ne m'écoutez pas. Je sais que toi, tu ne viendras pas si vous voulez. Non, ne m'écoutez pas. Tu comprends? Dégage. Tu as entendu ça? Mais c'est grave, ça, on a tout entendu. Quel genre d'homme avons-nous comme roi? Tu sais, les gens meurent tous les jours. Et tout ce qui le préoccupe, c'est le couronnement de son fils comme prince de Mosiaco. C'est inimaginable. Il est très évident qu'il n'a aucune conscience, que son cœur est comme de la pierre. Mon frère, il n'y a que le dieu de nos ancêtres qui jugera son cas. En ce qui me concerne, moi, Ikem, je te jure que je n'irai nulle part. Mon frère, ne dis pas ça. Connais-tu les conséquences si tu le désobéis? Quoi d'autre si ce n'est le bannissement? La famine? Pas juste ça. Ou l'élimination? Écoute, je m'en fiche. Tu sais, je vaux mieux mort que vivant. Mais dis dans pas cette ça, communauté. Mon frère, ne parle pas comme ça. Allez, viens, on y va. Après cela, ils ont quitté la maison du chasseur pour aller chez la sage-femme. Nos salutations. Mes anciens, soyez les bienvenus. Merci. Votre visite. J'espère que tout va bien. Tout ira bien si tu peux nous aider. Oui. Quel est le problème? Il s'agit de Afamifuna. Afamifuna? Afamifuna. Afamifuna? Oui. Oui. Que lui est-il arrivé? J'espère qu'il va bien. C'est une très longue histoire. S'il te plaît, nous sommes juste venus pour que tu nous aides. Pour que tu nous accompagnes au royaume des Quarren pour le voir, pour qu'il retrouve la mémoire. Oui. Quoi? Comment cela est-il arrivé? Et que fait-il là au Quarren? Eh bien, on n'a pas assez de temps devant nous. Viens avec nous et on t'expliquera, s'il te plaît.
Ulama. Ne. Apporte de l'eau à boire à mes anciens, hein? D'accord, maman. Pendant que je prends mon bain. Naï, Ite. N'est-ce pas là la servante en chef de notre palais? Oui, c'est elle. Bonsoir, mes anciens. Mais n'es-tu pas censé être avec le prince? Oui. Que s'est-il passé? Quoi? Reste ici, promets-moi de ne pas bouger. Reste ici, je reviens tout de suite, d'accord? D'accord? Ils sont par là. Allez, allez, dépêche-toi. Ce qui s'est passé, mes anciens. Mes anciens. Permettez-moi d'aller me rafraîchir. Alors, comment tu te sens maintenant, mon fils? Je vais bien. Et te souviens-tu de quelque chose? Des gens qui t'attaquent? Non, je me souviens juste que quelqu'un m'a attaqué. Mon fils! Peux-tu reconnaître quelqu'un d'entre nous ici? Je ne reconnais personne d'autre que mes parents. Afam et Founa, te souviens-tu de moi, chef des domestiques qui s'occupait de toi? Non, je ne me souviens pas de toi. C'est étrange. C'est tellement étrange. J'utilise ces herbes depuis de nombreuses années et elles ont toujours fonctionné. Oui. Maintenant... je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur lui. Je n'arrive pas à comprendre. Son cas est une maladie très, très, très étrange. Je l'ai amené dans de nombreux endroits. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais cela en vain. Mais la prêtresse a bien dit que vous pouvez nous aider. Alors, que se passe-t-il, hein? Je pense que nous devons retourner chez la prêtresse. Nous manquons de temps. Qui est-elle? Elle est la seule à avoir des réponses à tout ça. Elle est la seule. Qui est cette prêtresse dont vous parlez? C'est... qui est-elle? C'est une longue histoire. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille. Oui. Nous n'allons nulle part avec vous. Jusqu'à ce que vous me dites... ce qui se passe. Ma chère, s'il te plaît, comme je te l'ai dit avant, nous manquons vraiment de temps. S'il te plaît, viens avec nous.
Une fois sur place, tu découvriras par toi-même. Je t'en prie. Je t'en prie. Je vous salue. Nous vous saluons. Grande prêtresse. Le sort n'a pas fonctionné. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Je vous ai donné des instructions d'aller chez Wei. Mais Vous êtes revenu sans elle. Que s'est-il passé? Pensez-vous que vous pouvez le soigner de vous-même? Mais, ma prêtresse, la potion fonctionne toujours pour moi. Le problème de la femme et Funa ne peut être résolu avec une potion humaine. Les forces spirituelles sont à l'origine de son problème. Pourquoi, prêtresse? Il serait retourné à Omuziako et aurait été tué par ceux qui veulent sa mort. Je l'ai fait pour le protéger, mais à présent le mot est venu pour lui de revendiquer ce qui lui revient de droit. Sinon... Ozondo. Sinon... Le mauvais prince sera couronné. Serait-ce Izuna, le fils de Mbakwe? Oui, à ce moment où je vous parle, il est sur le point d'être couronné. Il faut vous dépêcher pour empêcher ça, parce que s'il est couronné, Omuziaku sera anéanti à jamais. Prêtresse, s'il vous plaît, dites-nous quoi faire. Dites-nous ce qu'il faut faire immédiatement, oui. S'il vous plaît. Prenez ceci. Donnez-le à Fami Funa. Une fois qu'il retrouvera la mémoire, amène-le immédiatement sur sa terre. Merci, ma prêtresse. Alors, Fami Funa a-t-il retrouvé la mémoire? Oui, ma fille. Et ils se sont précipités vers Omuziako pour arrêter l'actuel fils du roi qui était sur le point d'être couronné comme prince héritier. Où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ne t'inquiète pas, mon fils. Reprends-toi, mon enfant. Tu y entres de bonnes mains. Comment te sens-tu maintenant? Reconnais-tu quelqu'un? Je crois que je me souviens de vous. Et de vous. Écoutez, il est évident qu'il ait retrouvé la mémoire. Alors, il est plus que temps qu'il nous raconte très exactement ce qui s'est passé le jour où ils ont été attaqués. Oui. Hein? Affamé Funa, mon fils. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé ce jour où vous avez été attaqué? Oui. Je peux me souvenir de certaines choses qui se sont produites ce jour-là. Eh bien, peux-tu te rappeler de cet homme et de sa femme? Les visages me sont familiers. Mes amis, il est temps qu'on y aille. Nous n'avons pas assez de temps. Cet homme méchant pourrait réussir à couronner son fils en tant que prince de notre royaume. Allons-y. Mais je t'en prie, donne-nous nos sacs. S'il nos te sacs. Plaît. Mon peuple, je vous salue. Iwe. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Je tiens à vous remercier tous. Je tiens à vous remercier d'avoir honoré mon invitation. Il y a beaucoup à manger et beaucoup à boire. Je veux que nous poursuivions le couronnement. Igwe, votre Altesse, Chief Adindo, le Nohu de ce royaume n'est pas là. Et il est la personne légitime pour couronner votre fils comme prince héritier du royaume de Momosiaku. Et c'est moi. Je ne comprends pas. Qu'essayes-tu de dire? Essayes-tu de me dire que nous devons annuler le couronnement parce qu'il n'est pas ici? Non, votre Majesté. Alors,
prend sa place. Maintenant. Alors, ont-ils réussi à stopper le couronnement? Oui, ma fille. Ils l'ont fait. C'est un menteur! Il n'est pas le prince légitime du royaume Momosiako. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il n'est pas du tout le prince du royaume Momosiako. Oui. Et ne peut être couronné en tant que prince. Oh non! Oui, Igwe. Oh non! Oui, Igwe. Reste en dehors de ça. Que le bon choix soit fait. Va-t'en. Non! C'est impossible. Arrêtez! Peuple de Momosiako, je vous salue. Il n'est pas le prince légitime de ce royaume. Qui est cette personne? Que dit-elle? De quoi est-ce qu'elle parle? Et que veut-elle? Je suis Wang! Ami Wang! Je fais me présenter. La prêtresse du royaume de Momosiako. La fille du feu, et c'est moi. Je me souviens que ton père et toi aviez été bannis de ce royaume. Comment oses-tu encore poser tes pieds sur cette terre? Comment oses-tu? Les dieux! M'envoyer ici pour restaurer ce que toi, roi maléfique, a détruit. La ferme! De quelle absurdité tu parles? Je te demande. Peuple du royaume de Momosiako, son fils, Izuna, n'est pas le prince légitime. Par contre, affamé Funa, le fils de notre feu roi, il est l'héritier légitime au trône du royaume de Momosiako. Non! Je dis non! Ceci ne peut jamais arriver. Ça n'arrivera jamais. Je suis toujours le roi de ce grand royaume. Et j'ai tous les droits pour couronner mon fils. Exactement. Maintenant, regarde-moi faire. Fais-le.
Igwe! Igwe! Igwe, qu'est-ce qu'il y a? Igwe! Igwe, 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 Igwe! Igwe, 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 non! Igwe! 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 Tineke! Afora moi! Afora ti gwe sa! Igwe! C'est ton maléfique! N'est pas notre roi! Il n'est pas censé être le roi de ce grand royaume! Il a l'air comploté avec ses démons! Et il a tué le défunt Igwe et sa lolo! Il a tenté de tuer! Affamé vous naïssez! Mais les légions ont été revenus! Peuple du royaume d'Ossiako! Vos jours de misère sont terminés! Je dis que c'est terminé! Parce que les dieux sont venus restaurer notre royaume. Parlez les pouvoirs qui me sont envoyés contre mes moines et ces moines, la prêtresse de ce grand royaume, Tarkon Ando. Ah, mon ami, tu as repris tes sens. Je couronne ici, affamé Funa, le roi de ce royaume. Onoru, intronise-le. Réjouissance. Onoru. Onoru, couronne-le, vas-y. Couronne-le, couronne-le, couronne-le. Amoise, pourquoi non? Ya! Amoise, pourquoi non? Bueno, muy bueno. Onoru, affamé Funa, par les pouvoirs qui me sont conférés en tant qu'Onoru de ce grand royaume, le royaume d'Omusiaku, je te couronne aujourd'hui roi de ce grand royaume d'Omusiaku. Omusiaku, quoi est-ce bueno? Queen! Wazao! Quan! 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 Kuswelo! Igwe! Comment ce qui s'est passé dans le royaume d'Omusiaku? En effet, les dieux sont sages. Mm-hmm. C'est une bonne leçon. Ils sont sages, ma fille. Ils sont très sages. Merci, ma fille. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu vraiment appris de cette histoire? J'ai appris que nous devons toujours espérer des dieux. Oui. Parce que leur temps est le meilleur. Mm-hmm. Et nous ne devons pas être avides. Bien. Et aussi, nous ne devons pas être des traîtres. Ça, c'est très bien. Merci. Ma merci, grande papa, fille. Pour cette histoire. Merci. Merci, ma fille. Dying.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.